Faut vraiment que je te parle de ma semaine parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et j'ai pas mal de choses à t'annoncer. Bon, déjà, j'espère que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien, que tu passes de bonnes vacances ou que tu vas passer de bonnes vacances. Parce que là, on va arriver en juillet. Et oui, là, la ligne droite de l'été, juillet, août, faut profiter pour faire les choses bien parce que c'est important. Et si tu me suis depuis longtemps, tu sais que moi et les grandes vacances, c'est toujours là où je sors des dingueries. C'est toujours là où je suis très productif. Et là, j'ai décidé de pas faire les choses à moitié. Si tu as regardé la vidéo précédente, j'avais parlé d'un élément très important pour mes chaînes YouTube. J'ai loué une salle de sport pour faire du contenu, une salle de sport privative. Ça veut dire que je loue la salle, elle est à moi pendant un certain nombre d'heures. Moi, je l'ai louée un mois, enfin plusieurs heures pour un mois, tu vois, afin de faire des contenus, afin de faire les choses bien. Toute la semaine, je l'ai testé la salle. Je l'ai testé, j'ai fait du contenu, j'ai fait des vidéos format vertical, vraiment pour voir la puissance de la salle et pour voir vraiment ce que je peux te produire en termes de contenu de qualité. Et honnêtement, j'ai kiffé. J'ai kiffé, la salle elle est magnifique, la salle elle est belle, elle est équipée, il y a tout ce qu'il faut pour moi, pour faire des contenus et pour m'entraîner. Et aussi, en termes de lumière, je fais des vidéos de fou dedans. Et franchement, tu vas kiffer. Déjà, si tu me suis sur Instagram et t'as vu mes derniers posts, je pense que t'as dû kiffer. Cette semaine, je n'ai pas fait de vlog day, je suis pas parti courir et j'ai pas fait de basket pour la simple et bonne raison que j'ai préparé pour ma chaîne secondaire une vidéo par jour pour le mois de juillet. Un programme de sport par jour que tu pourras faire avec moi. J'ai fait des programmes aux haltères, j'ai fait des programmes à la barre, des programmes muscle par muscle, des programmes avec deux groupes musculaires afin que tu sois bien et que tu puisses bien t'entraîner. Des programmes de 10 minutes, des programmes de 5 minutes, des réveils musculaires, j'ai tout fait. Mon but est simple, c'est que tu t'entraînes dans de bonnes conditions, que tu sois bien et que tu as zéro excuse. Vraiment. Tu as zéro excuse. Tu fais tes programmes, tu fais tes séances avec moi. Il y a le temps de repos, il y a la musique, il y a tout ce qu'il faut. T'as juste à mettre la vidéo et t'entraîner. D'ailleurs, j'ai peut-être fait une vidéo de présentation de ces programmes pour ma chaîne secondaire. En plus de ça, on va réouvrir des places de coaching à partir du mois de septembre, si tout se passe bien. Et je suis en train d'hésiter fortement à faire un guide complet et gratuit pour s'entraîner efficacement aux haltères. Où tous les exercices que je fais, je les passe en revue, j'explique pourquoi c'est bien de faire ça. Pourquoi je fais ça? Quelle sensation j'ai quand je fais ça? J'hésite. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie, c'est long, mais j'hésite fortement à la faire dans cette salle. Là, je te dis un truc important. À partir du 1er juillet, chaque fois que je vais sortir une vidéo sur ma chaîne YouTube secondaire, je vais partager en post communauté sur la chaîne YouTube principale. Ça veut dire que tu vas savoir, même de la chaîne principale, avec l'onglet communauté, que j'ai posté un programme. Je t'aille le voir, tu likes et que tu commentes, c'est important. Parce que c'est grâce à ça, c'est grâce à ces actions-là que derrière, je peux investir dans ma chaîne pour faire les meilleurs programmes possibles. Parce que j'ai encore plein d'idées là. Là, j'ai noté des programmes sur ma feuille là. Je vais faire des programmes pour rentrer dans des corps militaires et armés. Ok? Je voulais le faire. Je voulais le faire. À l'époque où j'étais au garage, mais il me fallait un vrai cadre, il me fallait un vrai truc, ok? Il faut que je fasse des programmes comme ça pour tous les gens qui veulent rentrer dans les forces de l'ordre, qui veulent faire des tests physiques pour n'importe quoi, qu'ils soient prêts mentalement et physiquement avec mes programmes. Parce que moi, je sais comment ça se passe, j'ai baigné dedans, j'ai fait 2 ans de formation dans ça là, je sais comment ça se passe, je sais ce qu'ils demandent, je sais comment faut être physiquement. À partir du 1er juillet, je vais tourner 4 ou 5 vidéos similaires au Bulk Day. Je sais pas comment j'appelais cette série. Elle sera dans la playlist Bulk Day. Mais là, on sera pas sur du bulk. On sera vraiment sur un entraînement hybride. Donc, soit je l'appelais Hybrid Life ou je sais pas. Ok? Mais on va continuer les Bulk Day sous un autre nom. Parce que là, on va plus faire du bulk. On va plus faire de la force à pousser lourd et tout. Non. Là, on va s'entraîner de manière hybride. Et je voulais vraiment te montrer ça, dans cette salle, de faire les meilleures vidéos avec du ralenti, du slow motion, de l'immersion. Je vais mettre mes lunettes de Power Ranger, on va faire les choses bien. Parce que c'est important. Pour moi, le but, c'est de te partager vraiment un entraînement immersif, intensif, avec personne autour de moi et filmer de la meilleure des façons possibles. Parce que là, je serai libre dans mes choix artistiques. Je pourrais vraiment te faire une vidéo de fou.
et ce que j'ai envie de faire, vraiment. Sur cette chaîne YouTube, mon but principal, vraiment, était de te produire les meilleures vidéos possibles. Dans cette salle, je peux le faire. C'est un de mes objectifs, clairement, au-delà d'avoir des vues, des abonnés, des likes et tout, voilà, c'est de fournir les meilleures vidéos possibles. Tout ça en étant seul, sans caméraman, sans personne, c'est moi qui vais faire le job. Donc, je vais te produire ça. À partir de la semaine prochaine, j'espère vraiment que tu vas kiffer et on va prendre un maximum de plaisir pour ça. J'hésite fortement, mais ça va vraiment être en fonction de moi, en fonction de ma forme, en fonction de ma motivation de te faire aussi une vidéo par jour pour le mois d'août. Ça veut dire que je vais vraiment passer un mois de juillet qui va être incroyable, qui sera très fatigant, qui va être dur à supporter, mais on va faire les choses bien. On va faire les choses bien et aussi, ça va aussi dépendre des retours que j'ai. Vraiment des retours par rapport au programme. Si tu kiffes tout, si t'aimes bien la salle, eh ben je reprends un abonnement d'un mois à la salle. Enfin, je reprends des heures, un mois à la salle. C'est pas 100, c'est pas 200. C'est super cher en termes de tarifs. Ok? C'est super cher. Mais je peux investir si il y a retour sur investissement parce que c'est important. Là maintenant, ce que je vais te demander, c'est d'activer la cloche. Que ce soit sur cette chaîne-là, mais aussi sur la chaîne secondaire. Parce que toutes les prochaines vidéos qui vont arriver vont être des masterclass. Vraiment. Vont être des vidéos où je vais vraiment prendre le temps de produire la qualité et produire ce qu'il faut. Comme les deux dernières vidéos que j'ai faites sur ma chaîne, si tu les as vues. On va faire les choses de la meilleure des façons possibles. Faire ce que peu de gens arrivent à faire seuls. Ok, j'y vais bien seul, pas avec une équipe de prod derrière. Et tu vas kiffer. Tu vas kiffer, je ne peux pas t'en dire plus. Tu vas kiffer. En tout cas, moi je te laisse ici. Je voulais juste te faire passer un message simple. Prépare-toi à un programme par jour pour le mois de juillet et peut-être pour le mois d'août. Si jamais j'ai la force et j'ai la forme pour faire ça. Et puis voilà. En tout cas, mets un j'aime, mets un commentaire. N'oublie pas de t'abonner et de mettre la cloche. Et puis moi je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite.